Ouh, ouh, salut les amis, c'est maman mère. On est en 2021. Cool. Bon, vous avez fait des résolutions, vous êtes en train de les faire sûrement dans votre tête. C'est qu'est-ce que je vais faire cette année? Promis, je fais ci, je fais ça, j'ai tout ça. Il y a beaucoup le mot faire. Oui, c'est cool de faire. Il y a plein de choses à faire, à mettre en place, etc. Mais j'aimerais vous mettre au challenge de pas faire, mais d'être. Et la question, c'est qui vais-je devenir cette année? Et la meilleure réponse, bah, c'est moi-même, soi-même. Enfin, pas moi, toi-même, donc moi-même. Donc soyons nous-mêmes. Mais ça veut dire quoi être soi-même? C'est être vrai, vraiment vrai avec soi-même et pour les autres. On arrête de jouer les jeux, on arrête de faire semblant, on arrête de tout le temps vouloir pacifier, de tout le temps vouloir ne pas avouer sa vérité pour faire plaisir aux autres, pour par peur d'être rejeté, par peur qu'on soit seul, par peur de plus être aimé. Et vraiment faire un pas en avant, littéralement vers soi, en disant « ben voilà qui je suis, pleinement moi ». J'ai le droit d'être totalement en colère, j'ai le droit d'être totalement heureux, d'être en joie, j'ai le droit de lancer mon projet, j'ai le droit d'innover, de faire ce que je veux, j'ai le droit d'arrêter quelque chose, j'ai le droit de changer radicalement mon mode de vie, j'ai le droit de penser différemment, j'ai le droit de... Donnez-vous le droit d'être vous-même. Et je pense que ça, vraiment, c'est la meilleure liberté, le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir. Et même si ça secoue, même si ça énerve des gens, même s'il y en a plein qui sont déçus, je pense que toi, chacun de nous, quand on le fait, quand on devient vraiment totalement soi-même, et ça, bah bien sûr que ça va se matérialiser par l'action. Qu'est-ce que tu vas faire de différent à partir du moment que tu es toi-même? Mais il y a quelque chose de magnifique qui se passe pour toi, en toi. Et je pense que si l'humanité devait faire un pas en avant vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle liberté, vers ce nouveau truc, je dirais que c'est une collection d'humains qui devient de plus en plus authentique à eux-mêmes et qui se mêle de leurs propres oignons, qui s'occupent de eux, leur cas à eux, et qui viennent justement à l'intérieur de soi. Ben pour ouvrir, pour s'aimer, etc. Donc voilà ma recommandation pour 2021. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire tout le temps de plus en plus, d'être totalement moi-même. Je vous le souhaite, je vous embrasse, kiffez votre vie, faites de belles choses, prenez beaucoup de plaisir sur ce chemin de vie et à très bientôt. Il y a ma fille qui arrive au courant, voilà.